Moi, je vais essayer d'apporter des améliorations dans le financement des entreprises, notamment des entreprises innovantes. Puis je vais essayer aussi de faire en sorte qu'on ne confonde pas maîtrise de la dépense publique, ce qui est une nécessité, et rabot généralisé, ce qui est un contresens, puisque l'art de la politique, c'est justement de choisir exactement ce sur quoi doit porter notre effort. Oui, mais j'y reviendrai parce que je veux essayer de convaincre que c'est dramatique au moment où l'État, à travers le grand emprunt, dégage 1 milliard d'euros pour améliorer la valorisation de la recherche dans les universités, faire démarrer des entreprises innovantes, et puis on va les accompagner pendant 4 ans, et puis après on va leur dire, mais ça y est, on n'aide plus les JEI comme on le faisait au départ. Et donc il va leur rester comme seule solution de se vendre. Ce qui veut dire que l'État aura dépensé une somme maximum pour créer des entreprises innovantes qu'on n'arrivera pas ensuite à accompagner et qui donc seront obligés de se vendre. Et donc je voudrais qu'au moins on aille au bout de l'expérimentation. La JEI a été créée en 2004, on n'est pas encore au bout des 8 ans. Donc avant de commencer à modifier le système, il serait bien de regarder qu'est-ce que ça a donné, est-ce que ça a été efficace, est-ce que ça apporte des résultats. En tout cas, moi je trouverais dramatique qu'on coupe l'élan des entreprises les plus innovantes, alors que la France sait qu'elle doit avoir des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'on doit accompagner la progression de nos entreprises. Je trouve que ce serait bien mal utiliser l'argent public. Je pense que le gouvernement n'avait pas nécessairement mesuré que ça concerne 2500 entreprises et que sur le plan médiatique, ça a eu un effet désastreux parce que d'une part, on dit, comme je viens de l'expliquer, qu'on accompagne la création de ces entreprises à travers le grand emprunt et d'autre part, on leur coupe les ailes au plus mauvais moment, c'est-à-dire qu'en plus, elles ne pourront même pas se vendre avec valorisation parce que 4 ans, on le sait très bien, c'est le moment où l'entreprise est la plus fragile. C'est passé à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne comprendrais pas vraiment pourquoi les parlementaires à l'Assemblée nationale ont compris ce qu'on essayait de faire avec Nicolas Forissier, c'est-à-dire de faire en sorte qu'en fait, on ne crée pas de niches nouvelles. On n'augmente pas la dépense pour l'État, on fait simplement diriger l'argent vers les entreprises, vers ce qui va être le plus efficace pour la création de richesses, puisque les mêmes personnes, si elles ne le font pas en direction des entreprises, pourront le faire vers d'autres objets de défiscalisation, les œuvres d'art, l'outre-mer, etc. etc. Donc le but du jeu, c'est de ramener tout cet argent dans la création de richesses, vers les entreprises. Les députés à l'unanimité, les députés de l'UMP à l'Assemblée nationale à l'unanimité ont compris ce qu'on essayait de faire avec Nicolas Forissier. Ce qui serait un peu dommage, c'est qu'au Sénat, on revienne en arrière. Donc on va essayer de faire comprendre ça à nos collègues sénateurs qui, je l'espère, reviendront sur l'amendement de suppression qui a été décidé par la Commission des finances. C'est un outil qui existe, mais qui, compte tenu des règles applicables à l'heure actuelle, ne peut quasiment pas être utilisé. Or, là encore, la question, c'est d'accompagner la naissance des entreprises. Donc, au moment où l'État est en train de mettre en place les SATT, c'est-à-dire des services de valorisation à grande échelle, qui vont être regroupés sur plusieurs régions, en fait, ces SATT n'auront pas la capacité d'investir dans le capital des entreprises qui vont naître des laboratoires. Et donc notre idée, c'est d'utiliser ce véhicule moderne, modernisé. Et donc on a travaillé avec Bercy pour essayer de le moderniser. Jusqu'à présent, on avait un accueil plutôt favorable. Je voudrais bien que ça se concrétise maintenant. En fait, on a des inquiétudes et on n'a pas encore de certitude. J'essaierai certainement de demander des explications dans le cadre de la loi de finances. Puisque, vous le savez, jusqu'à présent, on pouvait donc investir jusqu'à 1,5 million. Ça avait même été porté à 2,5 millions par la communauté. On pouvait investir 1,5 million à partir de défiscalisation. Donc c'est ce qu'on appelait le plafond maximum qu'on pouvait utiliser. Il semblerait à l'heure actuelle que ça ait été remis en cause à l'initiative de la France. Ce qui veut dire que tout ce dont on a parlé avant, les différents sujets qu'on vient d'évoquer, en réalité, ne serait même plus d'actualité, parce que si on revient à un de minimis à 200 000 euros, par exemple, ou plafonner à 1,5 million sur l'investissement, les fonds d'investissement qui aujourd'hui ne peuvent défiscaliser qu'environ 30 à 40 %, il faudra mettre des sommes
qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrivera plus à rendre efficace l'effet de levier de l'investissement dans les entreprises. Donc, je crois que ça a évolué à l'Assemblée nationale, pas encore assez. Je vais donc faire des amendements de précision, de manière à ce qu'on en reste à un de minimis, à 1,5 million, mais 1,5 million de défiscalisation, et non pas de montant d'investissement, sinon ça diviserait par deux ou par trois l'effet réel.